Hey, Sulby, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bras de fer de la semaine guerre en miniature. C'est parti! Donc voilà, on est dans le bras de fer guerre en miniature. J'ai déjà fait deux petites victoires avec un deck là. Qui est basique, puis. Enfin, basique. Pour le bras de fer. Donc voilà. On va le reprendre. Voir ce que ça fait. Dernièrement, je pense faire des intros beaucoup plus courtes, comme celle-ci, parce que je trouvais que je parlais un peu trop dans les autres et du coup la vidéo dure longtemps et puis ça vous ennuie peut-être un peu au début. Du coup, je compte vraiment faire des intros super courtes. En gros, vous annoncez ce qu'il y a dans la vidéo et après, hop, lancer le reste. Parce que je trouvais que je parlais un peu trop. Ça va vite vous ennuyer, je pense. Du coup, là, j'espère que ce genre d'intro vous plaît, rapide. Alors. Là on va enlever tout, on va juste garder Sylvanas. D'accord. J'ai mis la Yen Charognard parce qu'elle peut monter, enfin elle peut se booster très vite. Avec lâcher les chiens dans le deck. Et beaucoup de choses, le jongleur qui est super fort. Ah. Ça c'est fort mais... Enfin c'est pas très fort parce qu'en fait... le Ral d'Agonie, la légendaire qui va arriver juste après, elle va être. Je mets Sylvanas. Elle va être en 1-1 aussi. Voilà. La légendaire qui va apparaître juste après, elle va être aussi en 1-1. Donc, à moins que ce soit une légendaire avec des. Un effet, c'est pas super. D'accord, idole du corbeau. Il a sûrement dû faire serviteur. Ça serait plus intéressant dans ce bras de fer. Ouais voilà. Ça c'est pas la meilleure. Quoi qu'après on peut devenir 2-2. Oh, quel petit Z. C'est vrai que c'est pas bête. Quel petit Z c'est pas bête. D'accord. On va mettre. Jongleur. Yen. En espérant que ça aille dans la 2-2. Oui. Et là comme ça on pique la 1-1. Voilà. Aspirant de Darnassus, d'accord. D'accord. Donc c'est pas une bête. Du coup il pioche pas. On va juste faire tir réflexe. Torysen. Donc ça nous baisse la petite boule d'araignée qu'on pourra jouer au prochain tour. Puis je profite de ce bras de fer pour tester un peu des cartes qui sont jamais jouées comme la hyène ou alors la boule d'araignée. Défaiseur de... lui il est automatiquement 1-1 donc ça change pas énormément. Bon, on va faire la boule d'araignée. Donc ça sert à rien de mettre appel de la nature parce qu'ils vont tous être en 1-1. Du coup on aura une 2-1, une 1-1 et une autre 2-1. Voilà. Donc c'est inutile pour 9 mana surtout. Alors. D'accord. D'accord, je vais faire du faux. Donc là on va juste mettre piège explosif. Capoface. Et on pose la 1. La goule ne sert pas encore. Ça sera dès qu'il aura le board. Dès qu'il va avoir beaucoup de board, hop, une goule et puis tout sera parti. Jeune faucon, d'accord. Ah, vers des sables. Ah non, elle est en 1 du coup. C'est... Oh, docteur Boom. C'est vrai que c'est pas bête. D'accord. Hop. On peut mettre la tisseuse. Et pour l'instant, on joue rien. On joue rien parce qu'il y a le piège explosif qui nous protège. Donc,
ça sert à rien de développer son board. Pour l'instant, il peut faire que trade. Il peut pas attaquer face. Il sait de toute façon que c'est un piège explosif. Parce que, bah... Oh. Oh là là, plus de. Ça fait mal. Ça fait mal au derrière. Bon, là, on aura la goule pour tout clean, mais on prend cher. Très cher. Très très cher. Il tape face, comme un animal. Non, il tape la tisseuse, d'accord. Oh, ok, des fois, c'est une super bonne carte, là. On va mettre le dromadaire pour commencer. Et on va mettre ça. Je préfère ça parce que... Imaginons qu'il booste ses créatures au prochain tour, la goule ne servira plus à rien. Hop. Et en plus, les petits boucliers divins, ils vont tanker les bombes, j'espère. Et à part ça... Bon, on attend. Oui. Allez, les bombes. Ok. Oh, parfait. Parfait, parfait, parfait. Allez, voilà, je remets mon battle tag à gauche de l'écran, si vous voulez m'ajouter un ami, si vous jouez Hearthstone. Au cas où. D'accord. On va mettre le ver des sables, pour voir si c'est un tir, non. Donc on va mettre le champion Nexus. Regarde quel sort on a. Oh, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah. Voilà. Prochain tour, on est moins 9. Intéressant cette illustration. D'accord, donc déjà c'est pas piège explosif. D'accord, avec la lunaire. Ah bah du coup on a peut-être gagné. Ah bah on a gagné avec le l'arc en aigle. Piège giron, d'accord. Et voilà. Grâce au champion du Nexus. Hop. Et pour terminer la vidéo, on s'achète un petit paquet. Alors. Une petite légendaire? Non. Une carte chasseur? Non. Bon, pas super. En ce moment, j'économise les poussières pour les nouvelles cartes qui vont arriver. D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire si vous voulez que je vous présente les nouvelles cartes qui vont arriver dans le jeu. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, j'ai arrêté de parler. Donc, si vous avez aimé la vidéo, un petit like. Abonnez-vous pour suivre toutes nos vidéos. Et sur ce, je vous dis à plus.